Allume-toi, allume-toi. Oui. Oh la vache. D'accord, il va falloir que je me faufile là-bas. Eh bah go, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Ne vous approchez pas de moi! Non! Ah! Salut tout le monde, c'est le Jreux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Arise, A Simple Story. La dernière fois, on a été séparés de notre amoureuse par les éléments et par nos familles. On va voir ce que le passé, pas l'avenir, le passé nous réserve cette fois-ci. Oui, ben je maintiens X, vas-y, fais quelque chose. Qu'est-ce que ça va être? Et comment on va la retrouver? Bonne question. Ça n'a pas l'air joyeux. Ça n'a pas l'air joyeux du tout. Donc tout le monde dort. Ouais. Ils ont fait des gros feux et ils dorment. Tous. Oh, c'est trop mignon, toute la petite famille réunie là. Ok. Ah ouais, d'accord. En mode j'y vais tout seul et je vous emmerde quoi. Je vais retrouver ma femme. Un point c'est tout. Ok, respect. Tu pars au milieu de la nuit. Allons voir ce que ça donne. Il y a des loups. Génial. Je sais pas quelle durée on a à notre disposition cette fois-ci. Aucune idée. Ah ! Pourquoi ? Oh ! Super ! D'accord, donc ils craignent la lumière. Je laisse le temps avancer, il s'approche pas tant qu'il y a la lumière, d'accord. Il va falloir que je me faufile là-dedans, quoi. Ça va être velu. Ah, ça, c'est bien. Oh là là, c'est pas angoissant du tout. Ouais, mais non, vous êtes pas censé bouger, là, j'ai stoppé le temps. D'accord. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, ne m'approchez pas. Voilà, je suis dans la lumière, vous pouvez pas me toucher. Ah la vache. D'accord, donc il va vraiment falloir attendre un... Je pense que là, mon seul espoir, c'est de me faufiler là où il y a la flaque. Mais s'il y a trop d'eau, je vais être ralenti. Donc c'est de passer là, quoi. Saute ! Oui, bien joué. Bon, ils entendent marcher, quoi. Saleté. Alors, il y a deux chemins, là. Hein. Il y en a un qui est bien caché, là, je vois. Allons voir, là-haut. Ça sent le truc qui est pas prévu pour être vu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien planqué dans l'ombre de l'arbre, à mon avis. Ça cache une petite... Un petit truc secret. Peut-être que je me gourre. Vu le nombre d'ennemis qui sont là, peut-être que je me gourre. Oh, c'est beau avec l'éclair figé comme ça. Ah, je savais bien. Il part tout seul et il a les foies. C'est normal.
savais bien qu'il y aurait quelque chose. Je suis pas cinglé. Ceci dit... Comment je repars maintenant? Ah ah ah, j'avais pas vu. D'accord. Maintenir alité. D'accord. Mollo. On peut carrément tirer des troncs d'arbres. On est un vrai bonhomme, quoi. Ok. Ah, salut les mecs. Vous vous souvenez de moi? Faites comme si j'étais pas là. Y a même pas un éclair pour les calmer, là. Zut. C'est fâcheux. Geronimo! Pas du tout envie qu'il m'attrape, curieusement. Hein. Je me demande bien pourquoi. Hein. Et merde. J'ai réussi à tomber là-dedans, quoi. Non, mais sérieusement. Voilà. Tout doux. Maintenant, on laisse l'eau monter. Voilà. Super. Pas envie de me le prendre sur la tronche. Ça, ça marche. Ouf. Ils sont tous planqués derrière l'arbre. Vous avez vu? Cochonnerie de fantôme de je sais pas quoi, là. Ouais, là, il se passe rien. Là non plus, bon. Ça, par contre, je suis pas rassuré. Parce que là, honnêtement, à part un éclair, je vois pas comment je passe. Là, j'ai une lumière qui s'allume et puis qui s'éteint, visiblement. Génial. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. On saute, on court, on se dépêche. On n'est pas là. Il nous voit pas, c'est faux. Youp là. C'était chaud. Là, c'est pas mal. Et par ici. Oh la vache, d'accord. Est-ce qu'il y a un moment où... Non, là, ça sent le truc bien en tension pour casser les pieds. Je vois que là-bas, au fond, le tronc d'arbre... Ouais, là, il est bien comme ça. Eh ben, il n'y a plus qu'à prier pour que ça marche, quoi. Et pas se vautrer, parce que si je me vautre... On va voir. Si je descends juste comme ça, j'irai peut-être plus vite, ouais, que si je me casse la gueule au milieu après un gros saut. Il y en a dans la flotte. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Ok. Ceci dit, minute... Là-bas, il y a une lumière. Allume-toi, allume-toi. Oui. Oh la vache. D'accord, il va falloir que je me faufile là-bas. Eh ben go, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Ne vous approchez pas de moi. Non. Ah. Ouais, ça fout la trouille un peu, oui.
Eh ben. Courageux, mon petit bonhomme, courageux. Ouais. Là, on n'a pas le choix. Il va falloir se faufiler quelque part là-dedans. Ok. Maintenant, j'ai cru voir une lampe de ce côté. Oui, il y a une lampe. Merveilleux. Courons. Là, on en vire une moitié. Ouais. Pas sûr que ce soit ultra utile. Là, ouais, non. Hein. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Génial. Voilà, nous grimpons tranquillement à la lumière de l'éclair, la lumière rassurante de cet éclair qui fait du bien. Et je vois que nous avons... Alors, attends. De toute façon, je pense que c'est le seul chemin. Oui, je vois pas d'autre chemin, de toute façon, là. Allez, saute. Ah, un petit souvenir. Génial. Franchement, vu comment ça tournait, là, je me vois pas vraiment partir explorer tout partout. Du calme. Il y en a peut-être là aussi. Parfait, parfait. Profitons-en. Ah, merci la météo, quoi. Ah, il a eu chaud, Pépère, hein. D'accord, il y a un passage là. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est du talent. Dis donc. Allez, ce coup-ci, on se loupe pas. Ça va devenir rageant. Ah bah voilà. C'est juste que j'étais mauvais. C'est juste ça. J'étais mauvais. Voilà, ça m'a l'air parfait ça. Il n'y a plus qu'à tracer comme un malade. Oh oh, il y en a quelques-uns encore. Bonjour les gens. Bonjour, vous ne m'avez pas vu. Hein. Vous ne m'avez pas vu, surtout vous ne vous réveillez pas. Hein, vous ne donnez pas la peine pour moi. Franchement, c'est vraiment pas nécessaire. Ah là. Ça, ça pue. Ça, ça pue, hein, Max. Que j'en fasse apparaître une partie, disparaître l'autre partie, j'ai l'impression. Je sais pas d'où il est venu celui-là. Voilà. L'éclair, l'éclair, l'éclair. Vite! Ah, c'est foutu. Foutu. Il faut que je reste bien entre les deux éclairs. Là, il y en a un. Si je vais un peu sur la droite, il y en a un deuxième. Gauche. Ok. Je retente ma chance. Il est où mon éclair, nom de Dieu ? Et droite, voilà. Allez, 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 on va vite à la lumière. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud déjà là, quoi.
D'accord, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe près de cette cascade. Y aurait-il pas enfin quelque chose d'agréable? Ah bah oui, on dirait. On doit bien avoir un souvenir planqué là-bas derrière. Gagné. Ah, on dirait qu'il va la retrouver. Ça c'est... Bon, en même temps, on s'en doutait un peu, mais... Ça fait plaisir de voir que... Tout ça, c'est pas pour des prunes. Il n'y en a qu'un. D'accord. Tout ce qu'on peut faire, c'est couper ce rang-là. Après, il n'y a qu'à se faufiler. Bon, bah les amis, je pense que ça va mal se mettre, mais on tente notre chance. Non, lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Je me faufile, et vous ne pouvez rien faire contre moi. Voilà, c'est ce que j'ai décidé. Donc ça va se passer comme ça. Comment ? Ah, mais oui, couillon, on fait défiler le temps jusqu'au bout, enfin. Donc, ici, et puis après, il n'y a plus qu'à... hop là. D'accord, ouais, c'est un peu plus velu que la première, quand même, hein. Voilà. Vous pouvez plus rien contre moi. Je cours vers la lumière et c'est tant pis pour vous. Oh, c'est joli. Dis-moi que c'est la lueur d'un feu. Hein, c'est une jolie flamme et on retrouve notre amoureuse et c'en est fini de ce niveau qui fait flipper. Évidemment que c'est ça. Hein, sauf qu'on n'y est peut-être pas encore. Si. Ah, oh, c'est mignon, il l'a retrouvé. C'est vraiment super joli comme jeu, je me régale. Bon, et ben voilà, un nouveau niveau de bouclé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que je compte sur vous. Pouce en l'air, commentaire et abonnement, bien sûr. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine et bonjour chez vous.